Salut à tous et bienvenue sur le Grand Prix de Silverstone, lieu de rendez-vous de la 8e manche des championnats du championnat GP2 de la saison 13 Team F1. Et aujourd'hui, c'est avec Sébastien et non Marco que je vais avoir le plaisir de commenter cette magnifique course. Bonjour Sébastien. Salut. Et je retrouve en cabine mon coéquipier de cordée qui depuis le début de la saison réalise de très très belles performances avec 6 deuxièmes places. Malheureusement l'abandon à Monaco, c'est plutôt un très bon bilan Sébastien. Ah bah ouais, on fait avec hein, on essaye de mettre la Red Bull à sa place quoi, tout simplement aux 3 premières places quoi. Et en tout cas aujourd'hui sur ce mythique Grand Prix de Silverstone qui était la terre d'accueil de la première course du championnat du monde de Formule 1. Sébastien, alias Yoshiz, a un peu déjoué les pronostics, puisqu'on pensait voir Oxide ou peut-être une McLaren qui joue à domicile, qui roule à domicile, remporter la pole position, mais c'est bien toi qui a réussi ce magnifique exploit. C'est vraiment une très belle satisfaction, non? Ah bah pour la première fois de la saison, ouais, j'ai envie de dire ouais, parce que Silverstone est quand même un circuit assez exigeant, donc si j'arrive à prendre la tête dès le début, je vais pouvoir gérer et jauger justement mes adversaires derrière quoi. En tout cas voilà une très très belle ouverture, il va falloir résister au retour des McLaren qui auront vraiment des très très grosses ambitions et qui auront à cœur de réaliser une très belle performance à domicile. Alors Sébastien, tu vas réaliser la tâche habituelle de Marco, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui s'est passé au cours de cette séance de qualification? Alors, Yoshiz en tête, deuxième Oxide, troisième Juan Max, quatrième Juan, donc Red Bull Ferrari, pas de McLaren sur les quatre premières places. On les retrouve à la cinquième et sixième Mostrit et Emilstation. Hamilton 7e, 8e Charognard sur sa Lotus, ensuite 9e McMartin, 10e la deuxième Lotus Rosebif, 11e Snipe, 12e Ezekiel et 13e et 14e les Sauber, Olivier et GLR Max. Merci Sébastien, alors nous allons bientôt nous retrouver sur la piste. Notons que les météorologues ont prévu de fortes pluies en milieu de course. Donc, ce qui s'est passé en séance de qualification devrait être très très vite bouleversé. Rendez-vous tout de suite sur la piste. Alors, la première caméra embarquée sera celle de Yoshiz qu'on aura la chance de suivre. Oxide et Juan Max seront bien présents sur la piste, bien sûr. Yoshiz en pole position avec Mostrit 5e. Wam qui est 4e, qui réalise une très très belle performance, comme tu as pu le signaler. Hamilton 7e et Juan Max 3e. Et les feux se sont éteints et c'est donc parti pour cette 8e course. Qui va pouvoir détrôner un nouveau Oxide qui n'a perdu qu'une seule course pour l'instant, celle de Monaco, au bénéfice d'Emilstation. En tout cas, c'est très bien parti pour Yoshiz à l'avant de la course. Ah, effectivement, bien parti. Oxide 2e, Wam qui a pris la 3e, ça se dispute. Et ça se dispute, c'est Juan Max qui a bien défendu sa position, qui sort large. Oh, ça a touché. Alors par qui? Oh, il est parti en tête à queue, le pilote mexicain. Là, effectivement. On n'a pas vraiment vu. Il y avait Wam qui était en arrière, en tout cas. Mais devant, ça va très très vite. Et c'est reparti plus belle avec Mostrit en quatrième position. Ah, Mostrit qui a profité un petit peu pour de cet accrochage pour justement avoir cette quatrième place et puis une station qui passe de la sixième à la troisième place. Oui, parce que si Juan Max était out, je pense que le pilote brésilien Wam a été obligé de l'attendre suite au contact puisqu'il n'est plus non plus dans le classement des pilotes leaders de la course et c'est Max Martin qui réalise une très belle opération aussi. Ouais, effectivement, de la neuvième à la cinquième place. Espérons qu'ils suivent. En tout cas, un début de course très animé et Yoshiz qui pour une fois réalisait un solide départ, contrairement à son coéquipier. On voit Hamilton derrière McMartin. Il attend pour le DRS. Et en prenant la corde, va-t-il réussir à le dépasser? Très grosse bataille entre les deux pilotes actuellement, le pilote américain. Ah, c'est un départ un petit peu mouvementé, hein, que ce soit en termes d'accrochage ou de dépassement. Hein.
Est-ce que le réalisateur, qui est toi-même, Sébastien, va nous gratifier d'un petit attention, ralenti voilà. Ouh, alors là, c'était risqué. On s'est touché encore avec Charonnier et Juan Max. Et Snipe qui s'en est très bien sorti devant. Ça a touché, mais sans grave conséquence. Juan Max qui est remonté 9e après son incident. Snipe qui sort large. Et Juan Max qui en profite pour le dépasser. C'est quand même dommage pour le pilote mexicain qui avait une belle occasion là de d'être directement au contact des leaders. Ah voilà le replay. Petit caméra de WAM. Oh, C'est vraiment léger, c'est vraiment léger. Ouais, Juan Max sort large. Surtout compliqué à définir la responsabilité quoi. C'est... On voit bien, il y a vraiment un mini contact de l'aileron de WAM. Il n'est pas vraiment responsable. D'ailleurs, les commissaires de course en resteront là. Parce qu'aucun pilote n'a été pénalisé. La seule pénalité, finalement, qu'elle soit, c'est d'attendre, c'est de devoir remonter tout le monde, alors qu'ils avaient tous les deux une position très très honorable sur la grille. Encore cette bagarre, hein. Yoshi s'oxyde. C'est une belle opportunité de suivre les leaders de la course. Parce que c'est vrai que, Sébastien, tu as eu un petit incident à Montréal, et puis tu avais dû abandonner à Monaco, donc jusque-là on n'avait pas encore eu l'occasion de suivre aux avant-postes. Non. Mais là c'est chose faite. Exactement. Le cœur bat très 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 rapidement. J'imagine qu'à ce moment-là de la course, il faut vraiment donner une forte impression à ses concurrents. Et là, tu sens la pression, j'imagine. Bah là, ah oui, un peu, parce que déjà j'avais la poule et puis je fais un départ plutôt correct, donc j'avais à cœur justement de garder cette première place. Hein. Parce que là, Yoshiz est donc poursuivi de très près par Oxylimi Station, qui sont tous deux en tendre, mais à l'arrière, la quatrième position, il y a Mode Street qui a opté pour une stratégie très très dosée, c'est-à-dire de chausser les primes, et comme il est prévu de la pluie, en milieu de parcours, c'est peut-être un pari qui va s'avérer payant. Un peu plus. Bon, à savoir aussi que Street utilise, enfin, part souvent, faut pas dire tout le temps en prime sur les départs. Donc voilà, c'est stratégie peut-être, mais c'est souvent le cas pour tous les grands prix. Quoi. C'est vrai que tu as raison de noter finalement la stratégie. Si stratégie doit y avoir, ce serait plutôt pour lui de partir en tendre. Puisque ça fait partie des usages pour le pilote belge. Partir en prime. Ah, ça y est, ça décale. Donc, s'il n'est pas parvenu à reprendre la première position sur le troisième secteur de ce grand prix, nous sommes déjà au quatrième tour. Et la bataille est toujours aussi intense entre les trois pilotes de tête. Mostrid qui suit ça un petit peu à distance. Pendant ce temps, WAM et Juan Max remontent gentiment. Hamilton fait sa course, il est très solide, juste derrière Mac Martin. Ah, ça sort large. Et aussi qui devrait avoir le DRS. En tout cas, c'est une station qui va pouvoir doubler peut-être Oxide. Non, ça ne va pas le faire. On peut suivre la course dans les rétros également de Yoshi's. On se surveille de très près. Ah, malheureusement, comme Mode Street est un peu loin, j'ai pas pu justement essayer de montrer la bataille derrière de par la caméra de Mode Street. Donc ça c'est bien dommage, mais voilà, il est parti en prime, donc voilà, il a perdu du temps quoi. Pour l'instant. On voit bien que la stratégie du Yoshi's, on essaie de gérer un maximum le carburant. Oulala, il s'est passé quelque chose à l'arrière qui va permettre à Yoshi sûrement d'éviter d'être poursuivi par un DRS ouvert. Alors non, parce qu'en fait le DRS, la détection du DRS se trouve avant l'enchaînement des virages. En fait. Ah oui, donc effectivement c'était avant que Oxide se loupe un petit peu. Exactement. Mais du coup ça permet non seulement à Mostrid de revenir sur le duo AMI Station Oxide, mais... C'est Yoshi's qui réalise le meilleur tour pour l'instant avec une 36 538. Il est très très rapide, le pilote Red Bull.
toujours très très intéressant, un très très bon indicateur. Et là aussi des administrations qui perdent du temps, hein, essayer de se doubler. Ah mais là ça se bagarre méchamment, attention. L'administration qui a pris la deuxième place. Ah, c'est un début de course très très intense. Oula. Ouais. Yoshi qui est toujours un petit peu plus rapide là sur le premier secteur. Malgré l'usure des pneus. L'administration qui s'envole un peu plus sur Oxide, qui souffre. Il va falloir que le pilote Ferrari donne un peu plus pour pouvoir gagner une septième fois dans cette saison. À savoir que sur ce Grand Prix-là, le train avant, je parle des pneus, souffre beaucoup, surtout ici. Dans ce passage-là, il atteint des températures de pneus assez incroyables de par justement la pression exercée sur les courbes. Donc les pneus s'usent super vite. Donc au début ça va, au début du relais ça va, mais quand on arrive à la moitié, voire à la fin, donc là c'est très très compliqué à contrôler. Quoi. Et le premier relais, on peut tenir combien de tours, Sébastien? Pour ceux qui usent le plus vite, je dirais entre 9 et 12 tours. Ceux qui les préservent le plus... 15-16 tours maximum. Mais est-ce que garder ses pneus, enfin durer ses pneus, c'est une bonne chose? Surtout sur ce Grand Prix là où qui exige beaucoup d'adhérence, c'est pas sûr. Surtout s'il pleut en plus, où les stratégies vont devoir être complètement modifiées. Et on a vu que Yoshi avait plus d'une seconde d'avance et se met à l'abri de toute ouverture de DRS. Ah oui, effectivement, on s'est sorti derrière. Ouh, alors c'est Oxide, c'est Mistation, et Mostrick qui reprend la première place. Alors c'est normalement aussi... C'est Oxide. Ouais, exactement. C'est Oxide qui a râpé son freinage et qui a embarqué Mistation en fait. D'accord. Et parce qu'on aurait pu penser que Oxide pouvait être pénalisé. Visiblement, il n'en est rien. À moins que tu aies une information contradictoire, Yoshi, Sébastien, pardon. Oh non. Pas ça. Alors que nous revenons un petit peu à l'arrière de la course, au 8e tour maintenant, le pilote brésilien Wam et Juan Max qui devaient se battre en, on va dire, en haut de tableau, se retrouvent en milieu de plateau là avec la 6e et la 7e place et ont repris Mac Martin. C'est dommage de ne pas avoir bonifié justement ces qualifs 3e et 4e. Enfin. Mais la course est longue. Exactement. On voit bien que les pneus de WAM sont vraiment très usés. Ah là, ça commence. Et il revient, pourtant il revient sur WAM Max. Est-ce que tu as eu des informations sur une probable arrivée de la pluie très prochainement? Bah déjà, on est quasi sûr qu'il y aura de la pluie sur ce coup là. Enfin, d'après les ingénieurs, c'est quasi sûr. Et ils pensent que ça sera plutôt... ça va démarrer une course pour la pluie. Donc on verra si les estimations sont bonnes. Oh Amis, ah, la main. Ah, oui. Oh, l'abandon, pardon, d'Hamilton. Alors ça, c'est une terrible nouvelle pour le pilote américain et le pilote Mercedes. Jusque-là, avait terminé toutes les courses dans les points. Et qui va devoir s'arrêter pour un souci technique. Pourtant, il était 5e, je crois, avant son abandon, juste devant Ron Max. Là, le problème, c'est que Mercedes, comme ils ont engagé un pilote à mi-temps en la personne de Sikorsky, voilà, s'ils perdent Hamilton, il n'y a plus de points hein, dans la besace. Hein. Effectivement, Sikorsky qui était absent. Au début de saison, qui avait quand même juste fait Melbourne, qui était présent finalement à Monaco et à Montréal, si je ne m'abuse, mais qui est absent à nouveau ici à Silverstone, alors que Yoshi rentre au stand et Mistation reprend la tête de la course. Et pour chausser des primes. Derrière, c'est Oxide, je crois, qui a imité Yoshi. Ah ouais,
C'est parce que le tableau, là, le moniteur ne nous annonçait pas forcément un classement mis à jour directement. J'étais surpris de voir Mosfrid derrière Yoshiz malgré son arrêt, alors qu'il était en trim. Et Wam qui prend la troisième place, comme quoi, avec les stratégies décalées d'arrêt au stand, on peut toujours profiter de ses positions, même si ce n'est qu'éphémère, évidemment, pour le pilote brésilien. Là, on voit que la stratégie de partir en prime fonctionne, pour une simple bonne raison, c'est que il arrive à rester au contact, parce que justement les options commencent à être en fin de vie et que ces pneus à lui tiennent encore, donc voilà, il va pouvoir tenir la dragée haute à l'initiation et puis pourquoi pas anticiper peut-être la pluie. Oui, puisqu'il n'est qu'à 2 secondes, on va voir comment sa course évolue à Mosfrid. En tout cas, les deux pilotes McLaren qui sont vraiment très très attendus aujourd'hui. Alors que l'initiation rentre au stand. Et Mosfrid va enfin pouvoir peut-être s'envoler. Pas pour très longtemps parce qu'il va bien devoir s'arrêter également dans 5-6 tours. Et on retrouve Yoshiz à la deuxième position maintenant, au 18e tour. Et voilà. Ah ouais, j'ai cru voir une goutte de pluie là. Ah effectivement, la pluie arrive. Et il faut aussi prendre en compte que Mosfrid n'est toujours pas rentré au stand. Donc voilà, en gros, Mosfrid a gagné un arrêt au stand par rapport à tous les autres pilotes. Ah oui, incroyable. Du coup, c'est vrai que Yoshiz va devoir peut-être prendre des risques et rouler un peu plus longtemps sur une piste grasse. On verra quelle est la stratégie que tu utiliseras, que tu emploieras. Je n'ai pas vu le temps qui sépare Mosfrid et Yoshiz. Ça doit être une dizaine de secondes. Alors que Mistation est juste derrière Yoshiz. Mistation qui a fait le pari de mettre les options. Un pari gagnant, parce que bon. Il talonne, quoi, tout simplement. Donc, j'ai vraiment du mal à tenir la voiture sur cette piste qui devient de plus en plus grasse, quoi. Alors, ceci dit, effectivement, Mistation s'est arrêté au 11e tour. Il a réussi à durer donc 11 tours avec des pneus usés en qualif. Il pourrait peut-être durer, enfin, encore continuer jusqu'au 23e tour. C'est vrai qu'à ce moment-là, ce sera temps de chausser les intermédiaires, à mon avis. Donc peut-être que les primes, c'était un peu trop. On peut pas toujours être gagnant. Ah non. C'est clair. Mosfrid, lui, allez, il a encore 3-4 tours à boucler. Sur cette piste grasse avec ses pneus usés, il va pouvoir tranquillement chausser les intermédiaires et, comme tu disais tout à l'heure, économiser un arrêt et dire que c'est précieux un arrêt, surtout à Silverstone. Ah, les arrêts sont super longs, on est obligé d'être à moins de 60 km à l'heure avec un passage au stand qui est assez long. Donc, quand vous prenez une pénalité, par exemple à Silverstone, vous avez course perdue pour le coup. Station qui essaie de prendre l'intérieur. Ah, qui passe qui forcément avec ses pneus tendres a largement l'avantage. Moi, attention à ne pas se toucher. Je pense aussi qu'il avait un Mosfrid. Finalement il s'est arrêté plutôt que prévu. Ouais, il tente les intermédiaires. Il aurait peut-être pu faire un tour ou deux encore avec ses primes. Parce que derrière devant il y a un retardataire, je crois. Alors que Mosfrid, Yoshiz et Oxide sont repassés, pardon, félicitations, Yoshiz et Oxide sont repassés devant Mosfrid et Juan Max est cinquième. Le pilote mexicain en refait son retard. Et la bataille continue avec Yoshiz. Il peut toujours activer son DRS tant qu'il a des pneus slick. Oups, il est monté sans vibreur, félicitation. Ça sent bien. Essayer de rester derrière lui pour avoir l'aspiration. Parce que je savais très bien qu'il était beaucoup plus rapide que moi à ce moment-là de la course. Malheureusement, je fais l'erreur de cette course. Oui, et là, tu vas peut-être te faire dans le. Non, je pense que tu étais à moins d'une seconde du pilote McLaren. On va bientôt le savoir.
Allez, c'est peut-être le dernier DRS que tu vas pouvoir activer au cours de cette course. Que va faire Hamilton? Va-t-il rentrer? Va-t-il continuer? Ouh, il est parti pour continuer. Et par contre, Yoshi s'arrête. Oui, c'est bien ça. Sophie, la pluie se calme. C'était bien ton dernier DRS. Station qui est toujours en tête. Oxide qui repasse devant Yoshiz maintenant. Et Motrit également, je crois. Oui, c'est ça. Tu es toujours troisième. Ouais, normalement. Non, c'est Oxide. Oxide ouais. Mais il va passer là, normalement. Si je dis pas de bêtises, il devrait passer là. Oxide est quand même arrêté qu'une fois. Voilà, c'est sûrement lui. On attend. Motrit, toujours dans la bataille, le pilote McLaren. Il réalise une solide saison pour l'instant, malgré son abandon à Barcelone, il a réussi à monter plusieurs fois sur le podium, notamment à Monaco, où il a terminé deuxième. Ah, c'est un pilote très très régulier, qui arrive à prendre tout le potentiel, à sortir tout le potentiel de la McLaren, malgré un niveau qui a baissé par rapport à la saison dernière, donc... Non, franchement, belle saison pour le moment. C'est vrai que tout le monde se pose la question. Qu'aurait-il pu faire avec une meilleure monoplace? En tout cas, nous sommes au 24e tour et là, la pluie tombe de plus en plus fort. Yoshiz est deuxième, justement derrière Motrit. On va bientôt connaître un petit peu les écarts. Des pilotes retardataires déjà. Alors, c'est qui? Olivier, si j'ai pas de bêtises. Olivier, c'était bien ça. Donc Motrit qui est devant Yoshiz à une seconde. Voilà, on a notre écart. C'était donc bien Motrit qui était juste devant vos yeux. Émission troisième à une seconde. Je crois que Oxide n'est pas bien loin non plus. Donc finalement, c'est une très très grosse bataille qui nous intéresse vraiment beaucoup aujourd'hui entre les quatre premiers de la course, les quatre premiers du championnat. Enfin, Émission est derrière Juan Max au classement général, mais parce qu'il n'a pas pu participer. Donc en plus de Bahreïn, de Chine et de Barcelone, lui qui est revenu à Monaco pour s'imposer. Silverstone qui n'avait pas été couru, je crois, en saison 12. Exactement. Comme le Grand Prix d'Inde et le Grand Prix de Corée. Là, c'est la visibilité est très très basse. Hein. La Silverstone, surtout avec dans les enchaînements, c'est très compliqué de garder la voiture sur la piste. Et là, tout le monde s'arrête. Tout le monde s'arrête pour chausser les pneus pluie. Ouais, et Hamilton qui va payer justement le fait de s'arrêter puisqu'il va rester derrière Motrit pendant l'arrêt. Ah oui, effectivement. Comme moi au Canada quoi. Puis, il y a même un autre pilote qui est venu s'intercaler juste derrière qui a dû obliger les écuries McLaren à attendre que ce pilote passe pour que Motrit s'en aille et ainsi qu'Hamilton chausse sur ses nouveaux pneus, donc tout le monde était perdant dans l'affaire. Ah mais là c'était plus possible de faire un tour de plus, hein. La piste était trop mouillée, il y avait trop d'eau pour que les intermédiaires puissent évacuer cette eau justement. Donc, T'es obligé de prendre de passer au stand. En tout cas, une stratégie bien sentie de la part de Motrit, qui est premier, qui a pris même 3 secondes à Yoshiz au 28e tour. Yoshiz qui a quelques difficultés à suivre le rythme du pilote belge. On voit bien ici, dans ce troisième secteur. Chaque contact avec les vibreurs est très dangereux et ça chasse à l'arrière. C'est difficile pour toi, Sébastien. Ouais, j'ai eu pas mal de difficultés à garder la voiture sur la piste. Et là, tu as repris 4 dixièmes à Motrit sur un secteur. Aïe. Oui, ça devient très très difficile là. Ce n'est pas du très grand Yoshiz que l'on voit actuellement. Il a été touché par l'imitation, je crois. Où il y a eu un contact, l'émulation file à l'anglaise, c'est le cas de le dire.
Il y a eu contact, malheureusement on ne pourra pas en savoir plus puisque Pissoxide et Mustachion n'ont pas de caméra embarquée dans leur monoplace. Mais ça c'est un gros coup dur pour Yoshi's, qui se retrouve non seulement quatrième mais qui va devoir refaire tout le travail pour dépasser ses concurrents. Il se remet dans la course maintenant vu qu'il a très boule. Pissoxide au tour 39. Qui a repris la tête. La pluie s'est quand même calmée un petit peu, j'ai l'impression. Ouais. Un petit peu. Il y a aussi qu'il y a 3 secondes d'avance sur Mostrit, que l'on voit ici. Et Yoshi's qui est bien revenu sur le pilote belge après cet incident avec une station. Ah, les écarts sont pas importants. Hein. Là ça dépasse pas les 5 secondes à chaque fois, donc on savait qu'une seule erreur pouvait nous coûter très très cher. Un peu pour faire un petit topo sur le classement. Yoshi est donc 3ème, une station 4ème. Derrière il y a Juan Max, 5ème, 6ème WAM. Puis d'autres pilotes suivent Charonia, Rosebif, Ezekiel. S'il n'a pas déjà abandonné, je ne crois pas. Olivier également, Mac Martin. Et Oxide qui vient de rentrer. Ah oui. Alors là, quel est son choix? Va-t-il vouloir rechausser de nouveau de pluie? Et Yoshi's qui le suit. Oh, il est chaussé d'intermédiaire. Alors ça, c'est un beau pari. C'est pas le pari en tout cas que aura choisi de faire Emil Station, puisqu'il est toujours en course. Nimo Street, Juan Max qui est 5ème qui est dans les retardataires. Donc c'est reparti en intermédiaire, on va voir ce que ça donne. Aïe, premières images. Alors là c'est Oxide qui est complètement devant. Alors ça c'est un fait rare de voir les deux leaders de ce championnat hors piste, complètement hors piste. Oulala, ça doit être difficile à accepter hein. Une décision vraiment problématique. Ah, j'ai tenté le pari comme Oxide et pari perdant. Ah bah là c'est vraiment perdant puisque Juan Max, là on a à nouveau sa caméra embarquée au 40e tour. Donc et derrière Yoshi's. Alors qu'il rattrape d'ailleurs des pilotes. Il rattrape le pilote Sauber GR Max. Et devant. Ah ben voilà, déjà, oh là 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 là, quelle grossière erreur de stratégie. Alors ça peut être payant si la pluie se calme, mais Juan Max, voilà, qui double tranquillement Oxide et son coéquipier Yoshi's. Alors ça, c'est vraiment un coup difficile à accepter pour Yoshi's et Oxide, qui avait pour l'instant l'habitude de se battre pour les deux premières places. Et en revanche, McLaren, là, réalise une très très belle opération. Ouais, c'est clair, une très bonne stratégie et puis pas, tout simplement pas d'erreur de stratégie quoi. Instant shoot pour le moment, donc non, belle course solide quoi. Mais du coup qu'est-ce qui t'a conduit à opter pour cette stratégie? Alors j'imagine que tu as voulu suivre Oxide, mais est-ce qu'il y a des signes extérieurs au niveau de l'intensité de la pluie qui t'ont confronté? Ouais, exactement, il y avait beaucoup moins de pluie et puis je savais que j'étais beaucoup moins rapide que sous la pluie. Donc en espérant que la pluie se calme et que la piste s'assèche, j'ai voulu tenter l'intermédiaire. Je pense qu'Oxide a pensé comme moi et... Ok, et puis Oxide qui part à l'extérieur. Hein. Oh là, ils sont tous les deux, vous êtes tous les deux en train de jouer aux équilibristes. Ah, on est en perdition totale. Et Juan Max qui devait se frotter les mains, déjà 7 secondes. Il le sait, Juan Max, qu'il n'aura pas souvent l'occasion de profiter d'erreurs de ses adversaires. Et peut-être que WAM pourrait revenir aussi. Oh là 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 là, c'est la Bérésina pour les deux pilotes. Bah là si, parce que c'était la victoire, c'était aussi bon. Ah oui, c'est terminé devant pour reprendre des points en classement général. Ouais. C'est difficile hein, d'accepter de se battre pour la 4ème place. En dehors du podium, vous rendez-vous compte. Et pendant ce temps-là, Mostrit et Mistation se frottent les mains, également comme Juan Max, le pilote mexicain. Il va peut-être pouvoir réaliser son 3ème podium, mais rien n'est fait, il reste encore 11 tours.
et la pluie devient de plus en plus fine. Je ne vais pas dire que la piste s'assèche. Il y a sûrement moins d'eau. Et forcément, quand on est déjà en intermédiaire, ça va payer d'un moment à l'autre. Mais pour l'instant, c'est pas le moment. Ouais, c'est clair. Alors, on va avoir des tensions entre le troisième et le quatrième. Alors que derrière, c'est sorti de piste. Et déjà 15 secondes en l'espace d'un tour. Yoshi's a perdu une dizaine de secondes sur Juan Max. Alors dans ces cas-là, est-ce qu'on se dit on revient en pluie ou on assume, on continue? Ah non, là c'est on suicide. Si aussi ne part pas, enfin ne va pas au stand, je vais pas au stand. On sait pas ce que va nous attendre si la pluie va continuer ou pas du tout. Enfin moi perso j'étais un peu dans l'expectative, donc j'ai préféré rester en intermédiaire quitte à perdre du temps sur les trois premiers, mais il fallait que je reste avec Oxide pour absolument rester devant. L'objectif, reprendre 2 points au classement, puisque la quatrième place c'est 12 points et la cinquième place c'est 10 points. Un strip qui reviendrait en cas de. Il y a quand même, j'imagine, pour ces deux pilotes une once de déception, une once de regret aussi. Alors que là, on fait un peu du hors-piste, du rallye. C'est Yoshi's qui glisse à nouveau sur les vibreurs. Au niveau de l'adhérence, c'est pas du tout ça. Ah, par contre, au niveau du spectacle, c'est plus tout ça. Hein. Ah bah là, c'est sûr que. Malgré le classement, et j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à me battre. Oula, ça a bloqué. Les deux sont sortis, mais ils ne se quittent plus. Il y en a qui fait une erreur, l'autre aussi. Alors qu'est-ce qu'il va reprendre? Ah, je ne l'ai pas vu, mais en tout cas, c'est un pilote retardataire qui va également rire beaucoup de la situation. Voilà, ça va être chaud. Ah oui, à l'intérieur, là. Oh, et regardez, le mécontent, le Yoshi's qui lève la main. Et aussi qui a très bien compris qu'il avait fait une petite erreur, donc il n'a pas réinsisté derrière, sauf que là quand même il réaccélère. Allez, peut-être un croisé. Va-t-il pouvoir croiser à la réaccélération? Il sort un petit peu large, Oxide. Il va pas pouvoir réaccélérer comme il le faut sur les vibreurs. Et Yoshi's qui reprend la quatrième place. C'est le podium qui se joue, même si Juan Max s'envole devant. Oui, il s'envole irrémédiablement. 33 secondes. Ça lui arrive rarement d'en prendre autant de secondes à son coéquipier. D'autant que les deux pilotes étaient ensemble dans l'écurie chez Lotus la saison passée. Et que Yoshi's n'avait terminé finalement qu'une seule fois derrière Juan Max. C'était à Abu Dhabi. Et après Monaco, Juan Max va enfin pouvoir peut-être, on ne sait pas, il reste un tour, terminer à nouveau devant son coéquipier. Et à l'avant de la course, Yoshi's, où en est-on? Alors, on est normalement, si tu peux l'utiliser, il y a toujours Mostrip en tête, Emistation, puis Juan Max. Et Oxide qui est à 5 dixièmes de Yoshi's. Oh, alors c'était cher en hier. Hein. Attention à ne pas bloquer les roues comme au tour précédent. Nous sommes au 43e tour de la course. Il reste moins de 9 tours. Alors qu'un des pilotes devant est entré au stand. Et Mostrip est en tête, confirmation effectivement. Devant Emixation, Juan Max est 3e, Yoshi's 4e, Oxide est 5e, son coéquipier chez Ferrari est 6e, alors qu'il y a un pilote sober juste devant, c'est soit Gilles Max, soit Olivier. L'écurie sober qui ne vit pas les mêmes heures que la saison passée où il avait. Jenny Versa, c'est Rémi F1 pour gagner énormément de grands prix. Même si Rémi F1 n'a gagné que 3 grands prix, qui ne lui a pas empêché de remporter le titre. Ouais, c'est surtout que Rémi F1 est toujours chez Sauber, mais dans la catégorie supérieure. Et réalise de très belles performances. Et ça a été le cas en Chine, puisqu'il a terminé 2e.
sous la pluie. Sous la pluie. Allez, Yoshi, toujours avec Oxide. Yoshi, qui a peut-être l'occasion de terminer pour la première fois de la saison devant Oxide, mais malheureusement, ça c'est pas vraiment la première place là. Eh non. Et 34 secondes, il revient un petit peu sur Juan Max. Et Juan Max va sûrement devoir s'arrêter puisqu'il est en pluie. Alors que Yoshi, lui, est déjà en intermédiaire. Donc il y a peut-être la possibilité. Sauf que là, ça. Oh là là là, ça bloque. Mais ça ne bloque pas pour Oxide qui reprend la quatrième place. Oh, puis là, il s'envole. Il s'envole complètement. C'est vrai que là, c'est difficile à croire. On n'a pas l'habitude de voir autant d'erreurs de la part du pilote Red Bull. Et enfin, nous retrouvons au 46e tour Motrip, qui est bel et bien en tête, mais il ne domine pas largement cette course, puisque son coéquipier de station est dans ses roues. 6 dixièmes de seconde entre les deux. On va suivre une... Excuse-moi, oui. Oui, excuse-moi, alors, juste pour signaler que Curie n'a pas donné de consigne du tout. Hein. Là, c'est une station, s'il veut attaquer... S'il veut gagner, il peut. Il n'y a pas de, de pacte de non-agression, c'est. Voilà quoi. C'est vrai. D'un côté, Motrip est classé 3e au classement pilote de la saison 13 contre la 5e place pour Mutation. Mais d'un autre côté, Mutation est quand même l'ancien champion GP2 de la saison 11. Donc finalement, l'écurie McLaren a laissé carte blanche aux deux pilotes, pas d'instruction, pas de consigne. Et nous allons vivre une très très belle bataille, heureusement d'ailleurs. Le Juan Max est trop loin, on vient de voir qu'il était à 38 secondes, je crois. Ah, ça montre aussi une certaine confiance à leurs pilotes, hein, parce que ils peuvent carrément se télescoper et puis voir Juan Max revenir. Donc c'est quand même risqué ce genre de non-consigne finalement. Donc voilà, faut quand même noter une certaine confiance des ingénieurs. Quoi. Mais aurait-il eu cette même confiance si Juan Max avait été à 5 secondes? Je ne pense pas. Là, il est quand même à 39 secondes, hein, si je ne me trompe pas. Ouais, mais comme j'ai dit, imaginons qu'il casse un aileron ou n'importe quel accrochage ou problème. On rentre dans les stands, vous perdez 30 secondes quoi. C'est fini après. Hein. En tout cas, on n'avait pas signalé Motrip qui a là l'occasion, une très très belle occasion de remporter sa première course de la saison. Alors ce sera soit lui, soit une station, sauf le prix général Juan Max pourrait également se mêler à la bataille, mais là il semble être trop loin. Donc Motrip pourrait être un nouveau vainqueur. On n'attendait pas à ce niveau de la course, à ce niveau de la compétition non plus. Oui et non, hein. Parce que comme tu l'as dit, en début de course, McLaren avait quand même des ambitions sur ce circuit-là. Ils roulent sur leur terre, hein, donc disons que c'est plutôt un accomplissement. Quoi. Ils ont bien mérité, alors que derrière Yoshi's, hein, qui fait quelques tours d'honneur. Jusqu'à 5 secondes d'oxyde, ça semble être terminé. Ah, il s'arrête quand même. Bon, il a 1 minute 21 secondes d'avance sur WAM. Là, je pense qu'à ce moment-là de la course, c'est plutôt pour jouer et tenter le meilleur tour en course. Oui et non. C'est-à-dire que, effectivement, pour le meilleur tour en course, mais je vois que j'ai 5-6 secondes de retard. Si je pars du principe qu'il perd 2-3 secondes par tour, il y avait peut-être moyen d'essayer de grignoter s'il restait en intermédiaire. Bon, de toute façon, c'est vrai qu'il n'avait vraiment plus rien à perdre. Exactement. Bien devant WAM, et puis là, il fallait parier. Allez, on reçut l'avant de la course alors que Motrip vient de doubler un retardataire. L'imitation est juste derrière. Ouais, deux tours, ça va être très 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 chaud. Hein. Alors, on va suivre ça ensemble, Sébastien. C'est peut-être la première fois de la saison qu'on va suivre un final aussi près avec la caméra embarquée de Motrip. L'imitation réalise le meilleur tour en course avec une 33-8. Juan Max est à 41 secondes.
nous avons entamé l'avant-dernier tour de la course. Ah, si tout se passe bien, là, les deux premiers, on les a. J'allais dire que nos stations étaient en DRS, mais ce n'est pas possible qu'ils vont encore les pneus intermédiaires. Enfin, c'est vrai que là, il n'était plus vraiment question de rentrer au stand pour eux. Alors, il faut terminer. Là, en sachant que la piste est pratiquement sèche, même si on voit quelques flaques, la trajectoire est complètement sèche. Hein, donc l'adhérence est, je vais pas dire nulle, mais très réduite. Là c'est vraiment du pilotage pur. Là. Ah, c'est magnifique. On est vraiment très heureux pour les deux pilotes de suivre également tous ensemble cette très belle bataille. Motrit et Mistration, lequel des deux va s'imposer aujourd'hui à Silverstone, à domicile. Et le mélange 3, allez, il faut tout donner sur la ligne droite, il faut éviter tout dépassement de son coéquipier. 0,2 dixième de seconde. Ah ouais, c'est comme ça depuis qu'on les a rejoints, il y a 7-8 tours. Donc attention. Attention, mais qu'est-ce qu'elle... Il a glissé sur un vibreur. Puis on parlait de ce probable incident qui devait arriver, qui est arrivé. Je vais pas dire que je le sentais, mais je l'avais dit qu'il y avait, il y aurait peut-être un souci entre eux si la bagarre devenait trop intense, et ben voilà, résultat. Une station pourrait être pénalisée, je ne crois pas. Je ne sais pas si les commissaires de course ont sanctionné le pilote McLaren. Ils ont bien vu que c'était une perte d'adhérence sur un vibreur. Je pense pas que la pénalité soit méritée. Non, par contre, là, le truc, c'est que si Mistation, enfin, je sais pas, je me mets à sa place, si Mistation réattaque Mostrit et qu'il gagne, là, à mon avis, il va y avoir une très mauvaise ambiance au sein de l'écurie McLaren. Hein. Donc, je sais pas s'il va attaquer véritablement ou pas. Il revient, en plus. En tout cas, il a plus beaucoup d'occasion, là, parce qu'il a une seconde 4 de retard. Allez, c'est le bouquet final, en tout cas, c'est le bouquet final. Les deux pilotes nous offrent un spectacle exceptionnel. Discoxid et Yoshi sont déjà out depuis bien longtemps dans la course. Juan Max n'a jamais vraiment pu lutter, même si pour l'instant il réalise une très belle troisième place et devrait finir sur le podium. Son troisième au ralenti, c'est vraiment très réduite. Alors, il y a quand même le meilleur tour entre Yoshi. Allez, la dernière ligne droite, la dernière possibilité, deux dernières possibilités pour Emil Station. Jusqu'ici. Mais il protège bien l'intérieur du virage à la corde avec la dernière possibilité au freinage peut-être pour Emil Station. Non, trop loin, trop loin. Quoique. Hop, on le voit sur le rétro. Il essaie de reprendre l'intérieur peut-être. Non, il couvre bien, il défend bien. Allez, pour accélérer maintenant. Attention, il a failli glisser. C'est fini, Mostrit qui s'impose. Ah, c'est magnifique, superbe. Ah là là, quelle belle victoire du pilote belge qui enlève les bras de bonheur. Alors que Juan Max, qui va bientôt terminer maintenant, il était à 33 secondes d'Emil Station. Emil Station et Mostrit qui ont vraiment livré une très belle bataille. Merci à eux. Alors que derrière, il y a quelqu'un. Très chaud, et Salmon. Là, très belle prestation également de Juan Max, qu'on n'aura pas trop suivi pendant cette course. Troisième sur la grille, troisième sur le podium. On va pouvoir suivre le classement grâce à toi, Sébastien. Alors, Mostrit, vainqueur du Grand Prix d'Angleterre, enfin de Grande-Bretagne plutôt. Emil Station derrière à 1 seconde 1, qui n'a pas démérité, bien au contraire. Juan Max qui finit finalement troisième et qui finit à la même place que sa qualification, donc contrat rempli. Oxy quatrième à 40 secondes du vainqueur. Yoshi, donc moi-même, cinquième, très mauvais résultat, étant donné la qualification et les essais libres qui ont montré une certaine rapidité. Wam qui fait un bon résultat et qui revient bien après tous ses abandons. Ensuite, Mac Martin, Rosebif, 8e et Charognard, 9e, donc les Lotus font 8 et 9. Snipe qui chope la place de la 10e place, qui est pas trop mal non plus pour Williams. Sauber, place monoplace 11 et 12. Et puis ensuite, Ezekiel,
13e qui a abandonné et Hamilton 14e qui a aussi abandonné en début de course. Je ne m'étais donc pas trompé, Ezekiel a bien abandonné cette course. Au classement pilote, Oxide est toujours en tête. Il n'a pas marqué beaucoup de points comparé aux courses précédentes. Puisqu'avec la 4e place, il a maintenant 162 points. Il est devant Yoshiz avec une avance confortable qui n'est pas parvenu à devancer Oxide. Mostrit est 3e grâce à sa très très belle victoire. Il revient à 6 points de son concurrent direct Yoshiz. Juan Max est 4e. Emi Station est 5e et revient aussi sur Juan Max. Hamilton, malgré son abandon, conserve sa 6e place avec 60 points. On retrouve juste derrière Charognard, Mac Martin et Psikowski, alias Goa, qui descend gentiment au classement. Rosbif, le pilote Lotus, est 10e. Wam, qui termine pour la 2e fois consécutive une course, ça fait vraiment du bien pour lui. Il avait terminé 4e sur la grille, il finit finalement 6e sur cette course. Ezekiel, avec un 2e abandon consécutif, est 12e au classement. Suivent ensuite, comme sur la course finalement, les pilotes Sauber, Olivier et JLR, Max. Enfin, Snipe est 15e. Notons que John K, le 2e pilote Force India, a été viré, licencié par son écurie et ne reviendra pas sur les courses suivantes. Qu'en est-il du classement constructeur, s'il te plaît, Sébastien? Alors, Red Bull toujours en tête avec 217 points, mais qui voit dangereusement arriver les McLaren grâce à leur doublé, leur deuxième doublé de la saison, hein, puisque Monaco ils ont fait aussi premier et deuxième avec 197 points. Ferrari qui fait la plus mauvaise opération avec la 4e et 6e place, 178 points. Lapsus révélateur, mais bon. Mercedes avec 86 points. Difficile de suivre les trois premiers avec un pilote temps complet et un mi-temps. Lotus qui profite pas justement de ses problèmes de pilote à 5e avec 61 points, Williams 6e avec 39 points, Sauber 7e avec 13 points et Force India 8e avec 11 points. Avec un 0 pointé pour 3 écuries aujourd'hui, Mercedes, Sauber et Force India. C'est un grand prix qui a été magnifique à suivre pour la tête de la course. À l'arrière, on a vu une course plutôt calme. Et surtout, vraiment, une très très belle performance de Mostrit qui a réalisé une stratégie coupée aux oignons, coupée au couteau. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, mon expression. Mais en tout cas, c'est vrai que je suis ému de cette victoire du pilote belge. J'espère que tu en es tout en tant que moi, Yosh. Ah, c'est clair, elle la mérite et il a montré vraiment une très très grosse régularité. Bon, le seul bémol, c'était Barcelone. Mais sinon, il fait vraiment une saison pleine pour sa première saison dans ce championnat. Donc s'il continue comme ça, sa place en F1 est toute réservée pour des écuries bas de tableau. Mais s'il montre le même niveau, il pourra justement se montrer quelque peu avec ses petites écuries. En tout cas, on verra s'il confirmera cette belle prestation en Allemagne. Je te remercie, Sébastien. On a une petite pensée pour Marco, hein, qui n'était pas là aujourd'hui, qui n'a pas pu commenter avec moi. Voilà. Et en tout cas, moi, je suis très content d'avoir commenté avec mon coéquipier. Et j'espère que les Red Bull, hein, on va être un petit peu chauvin, réaliseront de très belles performances et que tu réussiras à accrocher ta première victoire par la suite dans la saison. Merci. On vous dit à très très bientôt. Salut, ouais. Sébastien. Ah bah salut, à bientôt à tous. Et puis, j'espère vous retrouver très très vite. Allez, ciao, ciao, ciao. Salut.